Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Zombie in Spaceland. Donc c'est un glitch qui va vous permettre d'avoir un piège en illimité, donc le piège du laser. Donc tout d'abord ce qu'il faudra faire c'est déjà ouvrir le Polar Peak parce que le piège se trouve là-bas. Et il faudra activer l'électricité sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il vous faudra quand même pas mal de points. Donc là moi je suis à la manche 3 mais j'ai utilisé récompense, précision récompensée. Donc voilà, ce sera ce piège là qui sera en illimité. Quand je dis en illimité, ça veut dire que vous allez pouvoir être invincible en vous planquant juste derrière ça. Voilà quoi. Donc vous devez ouvrir cette porte là, c'est obligé, pour pouvoir allumer l'électricité. Voilà. Donc je sais plus comment il s'appelle le piège, je vais aller voir. Dragon d'acier, voilà. Le piège dragon d'acier, on va l'avoir en illimité. Donc ce qu'il vous faudra aussi c'est le transpondeur. Donc là il n'y était pas, non. Donc pour avoir le transpondeur, il vous faudra 25 tickets. Donc ce que je vous conseille c'est de prendre la tête du robot que vous voyez là et de la remettre sur son corps. Comme ça, ça fera que vous gagnerez 25 tickets automatiquement et vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir la salle d'arcade. Comme ça, vous pouvez faire le glitch le plus vite possible. Ensuite, il vous faudra ouvrir deux portes. Cette porte-là, celle de Journée Space. Ça, c'est obligatoire, sinon le glitch ne fonctionnera pas. Et celle-là. Donc celle à mail pour aller dans le sous-sol. C'est obligatoire, sinon le transpondeur ne fonctionnera pas. Donc ensuite, quand vous avez gagné votre 25 tickets, il va falloir aller chercher le transpondeur. Donc moi, il est ici, il est dans un des 6 chariots de la map. Il y en a toujours un à chaque début de partie. Et si jamais vous l'avez utilisé sans faire exprès ou vous l'avez mal lancé, vous l'avez plus, toutes les dimanches il respawn. Donc ensuite quand vous avez le transpondeur, vous allez ici et vous voyez la bouche d'égout, faut un peu mettre le carré dans la bouche d'égout, voilà. Et puis tout simplement activer. Donc c'est vraiment très simple, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Donc là il y a la Oni, en même temps je vous montre le glitch de la Oni quoi, il y a la Oni en illimité. Voilà, attendez, parce que j'arrive à choper, voilà, acheter la Oni. Voilà, il faudra un peu jouer comme ça pour pouvoir voir que ça s'apparaisse, mais bon, ça marche. Après, vous pouvez vous mettre genre ici ou ici. Les zombies vont rester, ils vont se mettre juste devant vous, donc vous pourrez les shooter. Donc ça, c'est pour le glitch de la Oni, mais bon. Là, je vais vous montrer le glitch du Dragon Fear là, ou je sais pas quoi. Donc pour aller au piège. Donc il va falloir monter ici. Donc ne montez pas par là parce qu'en fait c'est beaucoup plus difficile je trouve. Montez directement sur la droite. Je pense que c'est beaucoup plus. Quoique. Ouais en fait quoique. C'est assez. Enfin voilà. Vous savez. Enfin, vous voyez bien comment je suis monté. Il suffit un peu de courir un peu et hop. Là pareil, il faut courir un peu sur le côté. Donc vraiment, attendez, j'y retourne, voilà. Vraiment, genre courir comme ça. Et puis au dernier moment, foutre un coup d'analogue vers la gauche et puis sauter, quoi. J'ai raté. Voilà, vous voyez. Alors ensuite, quand vous êtes ici, vous suivez les chemins du manège. Enfin, les rails du manège. Et là, voilà, c'est ici qu'il va falloir aller, mais je pense... Ouais, on peut y aller directement comme ça, en fait. Ah voilà, voilà j'ai réussi. Voilà, faut trouver la position. Donc on va tuer le zombie pour voir ce que ça fait. Voilà, vous tuez le zombie, vous activez le piège. En même temps vous pouvez aller rechercher des munitions de Oni par là hein. Là il y a une arme. Mais j'ai pas réussi, j'arrive pas à y aller. Vous voyez. Le truc c'est que quand j'essaye d'y aller, eh ben, je suis bloqué, après je peux plus bouger. Mais j'arrive même pas à l'acheter l'arme, donc c'est ça qui craint. Donc ici, voilà, là je peux l'activer. Ah ouais, j'ai pas assez d'argent. Voilà, là j'ai assez d'argent. Voilà, le seul petit problème de ce glitch, c'est que tous les zombies qui sont ici vont pas mourir parce que ils traversent pas le laser. Mais d'un autre côté, vous êtes quand même invincible, vous avez des munitions de Oni en illimité.
Si vous trouvez une astuce pour avoir carrément l'arme qui se trouve là en illimité, ben c'est encore mieux, ce sera encore plus cheaté. Mais j'arrive pas à l'atteindre. Et quand je saute, je suis bloqué. Donc je vais pas le faire parce que j'aimerais bien vous montrer comment on fait pour retourner dans la map. Donc si vous voulez retourner dans la map, ah ouais, je vais vous montrer un autre truc aussi. Si vous voulez retourner dans la map, il vous faudra suivre ce manège, donc les règles du manège. Et il faudra sauter. Donc vous mettez genre ici. Donc faites attention parce que ici vous pouvez être bloqué. En fait, attention, regardez, il y a un mur invisible. Vous devez retourner comme ça, voilà. Vous montez là, sur la colline. Et de là, vous pouvez sauter en dans la map. Vous sautez et vous êtes dans la map. Mais il y a un autre truc que je voudrais bien vous montrer. C'est la boîte magique en fait. Donc si la boîte magique elle serait là, eh ben vous pourriez genre sauter ici, voilà, et acheter la boîte magique donc pour vous acheter des armes. Donc c'est plutôt pratique. Et donc comme je vous disais, hein, vous avez la Oni en illimité, donc vous retournez par ici, hop. Ouais, je vous conseille quand même de prendre ma sauce. Ah voilà, j'ai pu le racheter là. En fait, vous faites des allers-retours. Ouais, voilà, vous faites des allers-retours. Regardez, vous voyez. À chaque fois que... Vous voyez. En fait, vous foncez dedans, en fait. Voilà, j'ai trouvé la petite technique, c'est qu'il faut foncer dedans. Regardez, vous avez les munitions. Ah, et il faut viser la petite boule, quoi. Alors, on va voir. Ah non, ça va aussi si je vise pas la petite boule. Quoi. Voilà, faut juste foncer dessus. Et vous avez les munitions de Oni en unité. Donc qu'est-ce que... Ouais, surtout n'allez pas là. Sinon vous allez bloquer parce que là on peut tomber. Si vous tombez dans le vent, vous êtes bloqué. Qu'est-ce que je pourrais dire encore d'autre? Donc voilà, pour remonter, vous courez un peu, vous sautez, hop. Vous courez un peu, hop. Voilà, nickel. Ensuite, bah voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a. Donc j'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace.